Rendons gloire à Dieu. Il a le pouvoir de vous rendre fort par la bonne nouvelle que j'apporte en annonçant Jésus-Christ. Par cette bonne nouvelle, Dieu fait connaître le mystère caché depuis toujours et qui maintenant a été mis en pleine lumière. Alors tous les peuples qui ne sont pas juifs peuvent le connaître par les livres des prophètes. Le Dieu qui existe depuis toujours a donné cet ordre pour que tous les peuples croient en lui et lui obéissent. Romains chapitre 16, le verset 25 à 26. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de Christ Jésus. Que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus à ce programme de midi en prière. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est Dieu. Et nous lui appartenons. Nous lui appartenons. Nous sommes son peuple. Le troupeau dont il est le berger. Et il est notre pâturage. Jésus est vivant. Amen. Seigneur, merci pour ces instants. Merci pour ta gloire. Merci, Seigneur, de ce que tu nous conduis dans la profondeur. Tu nous révèles les choses cachées. Tu te manifestes à nous, Seigneur, et tu nous parles avec un langage prophétique. Merci, parce que nous sommes dans l'accomplissement. Tout est accompli. La dette est payée. Le salut est donné à plusieurs et Jésus a gagné la bataille. Merci, Seigneur. Il y a quelqu'un qui élève sa main en ce moment qui te dit, Seigneur, je veux t'appartenir. En tout temps, je veux marcher avec toi. Je veux te plaire, je veux te donner ma vie. Sois le maître de ma vie, de ma maison. Seigneur, nous voulons planter l'étendard de Jésus-Christ dans nos vies. Que ton règne vienne au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je veux continuer à parler de l'attitude des disciples. Après les événements du retour de Jésus-Christ au ciel. Alors, la Bible dit donc dans Actes chapitre 3 que Pierre, un jour, Pierre et Jean vont au temple pour la prière de 3 heures. Et l'après-midi, près de la porte du temple appelée la Belle Porte, il y a un homme infirme depuis sa naissance. Chaque jour, on l'apporte et on le dépose. Il demande de l'argent à ceux qui entrent dans le temple. L'infirme voit Pierre et Jean qui vont entrer. Il leur demande de l'argent. Pierre et Jean tournent les yeux vers lui. Pierre lui dit, « Regarde-nous. » L'homme les regarde avec attention. Il pense qu'ils vont lui donner de l'argent. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'or. Mais ce que j'ai, je te le donne au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voyez l'attitude de Pierre. Il arrive au temple, Pierre et Jean, les deux disciples. Ils arrivent au temple, ils voient un infirme, un homme qui avait un problème, qui ne pouvait pas marcher. Alors, ce dernier, il présente sa demande. Ce qu'il cherche, c'est l'aumône. Il a besoin d'argent. Il n'a pas besoin de la guérison des pieds, mais il cherche l'argent. Alors, Pierre et Jean lui disent, nous n'avons rien. C'est Pierre qui commence, qui prend la parole. Il dit, regarde-nous. Genre pour dire, regarde l'espérance qui est en nous. Regarde la vie qui est en nous. Regarde la victoire qui lui est en nous. Parce que Pierre venait de vivre une expérience. Il devient courageux. Il devient vraiment quelqu'un de réaliste. Il sait que Dieu est vivant. Il sait que Jésus est avec nous. Le Maître est avec nous. C'est l'heure de la mission et le Maître est avec nous. Et ce monde a besoin de Jésus. Alors Pierre dit, regarde-nous. Toi, tu es dans le monde. Nous sommes aussi dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Regarde-nous. Regarde-nous. Regarde la victoire en nous. Regarde la joie du Seigneur en nous. Et Pierre dit, tout ce que toi tu demandes, argent, or, j'en ai pas. Mais moi, j'ai Jésus-Christ de Nazareth. Voilà l'erreur que le monde fait aujourd'hui. Le monde recherche argent, or et matériel
Mais Pierre dit, moi, j'ai Jésus. Si j'ai Jésus, j'ai la vie que le monde ne donne pas, la paix que le monde ne peut pas vendre ni acheter. Alors, bien-aimé, l'attitude des disciples avait changé. Ils étaient devenus des hommes et des femmes courageux, les gens d'espérance, les gens qui croient. Alors, la Bible dit au chapitre 2, le verset 37, après que Pierre eut prêché, quand les gens entendent cela, ils sont très émus. Ils demandent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, qu'est-ce que nous devons faire ?» Pierre leur répond, « Changez votre vie. Chacun de vous doit se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus. Ainsi, Dieu pardonnera vos péchés et il vous donnera l'Esprit Saint. » Comment nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? C'est la grande préoccupation de l'humain. Tout humain se pose toujours une question. Pourquoi et comment? Le pourquoi, le comment, ce sont des questions qui sont d'actualité pour l'humain. On veut comprendre le mécanisme des choses. Pourquoi les choses m'arrivent? Pourquoi? Alors, la réponse au pourquoi se trouve dans la parole. Comment devons-nous faire? Pierre dit, repentez-vous afin que les temps nouveaux arrivent dans votre vie. Voyez l'attitude des disciples. Ils sont maintenant des gens qui prennent les responsabilités. Jésus n'est plus là, mais c'est à eux de proclamer le salut. Ils prennent les responsabilités pour le royaume de Dieu. Et ils donnent des réponses. Et comment était la vie des disciples dans cette attitude nouvelle? Comment était leur vie? Au verset 42 du chapitre 2, la Bible dit « Régulièrement et fidèlement, les croyants écoutent l'enseignement des apôtres. » Régulièrement, les croyants écoutent l'enseignement des apôtres. Il n'est pas écrit que régulièrement, les croyants sont sur la prophétie. Régulièrement, les croyants sont fanatiques des apôtres. Non, mais régulièrement, les croyants écoutent l'enseignement. L'enseignement change la conception des vies. L'enseignement ajoute la connaissance. L'enseignement enlève la personne de l'ignorance. Il faut être enseigné quand on est chrétien. Jésus est une personne. Tu dois le connaître. Il faut le connaître personnellement. Jésus-Christ est une personne. Et je causais une fois avec quelqu'un qui m'appelait. On riait, on causait. On avait fait au moins 15 minutes avant que l'on puisse prier. On causait. Je lui ai dit... toi, tu écoutes le pasteur Gerdy par les audios et par le canal des réseaux sociaux. Mais là, nous causons. Pourquoi? Parce qu'on a fini par se connaître aussi. Et on s'est vu à Brazzaville quand j'étais durant les vacances à Brazzaville. On a parlé. Et aujourd'hui, tu peux connaître le pasteur comme, entre guillemets, ce père avec qui vous causez, ce papa, j'allais dire. Avec qui vous causez, et c'est parce qu'on a fini par se connaître. Et tu peux attester comment il est. Tu peux dire quelque chose aux gens. Que moi, j'ai parlé avec le pasteur. Je l'ai vu. Tu peux dire quelque chose sur le pasteur. Jésus aussi est une personne. Il ne faut pas accepter d'être chrétien sans connaître Jésus, sans connaître les détails sur Jésus, qui il est, mais comment le découvrir? C'est dans sa parole. Il est important de connaître la personne de Jésus. Mais si moi je te dis, en tant qu'homme de Dieu, viens, je veux prier pour toi, on va organiser une campagne, méga campagne de miracles et d'onctions, mais sans que toi tu connaisses la personne de Jésus. Non, c'est anormal parce que tu attends simplement que ça coule de moi, que l'onction vienne de moi et que toi tu reçois. Non, mais toi aussi tu es dans la bergerie. Toi aussi tu es brebis, toi aussi tu es enfant, tu n'es pas enfant illégitime, tu es né de Sarah, tu n'es pas né d'Agar. Toi aussi tu es détenteur ou détentrice de cette promesse, la parole est pour toi, bien-aimé. Alors la plus grande maladie, le plus grand poison de notre ère aujourd'hui, de ce monde, c'est l'ignorance à la parole. Satan aime les ignorants à la parole. Satan aime ceux qui sont ignorants à la relation avec le Seigneur.
Et il trompe leur vie. Il les détruit, il les rend malheureux. Parce qu'ils croient que Jésus n'est pas là. Jésus est dans la prédication seulement, mais il n'est pas dans mon vécu. Jésus est vivant, il est réel, bien-aimé. Alors donc, les disciples étaient dans l'enseignement, ils vivent comme des frères et sœurs. Ils partagent le pain et ils prient ensemble. Les apôtres font beaucoup de choses extraordinaires et étonnantes. Les gens sont frappés de tout cela. Alors, vous voyez, puisque la vie de Christ est au milieu d'eux, il se passait des choses extraordinaires et étonnantes. Les apôtres ont vécu dans la communion fraternelle, dans le partage, dans l'amour. Et ils se guérissaient les uns les autres, bénissaient les uns les autres. C'était une nouvelle vie pour les apôtres. L'attitude de vie avait changé. Ils étaient devenus des gens qui impactaient leur contexte, leur environnement, leur réalité de vie. Ils ont changé de culture. Ils avaient maintenant la culture du ciel, la culture du royaume de Dieu. Comment ça a changé ta culture? Et là, déjà, je suis en train de voir le nouveau séminaire que nous aurons bientôt. C'est un séminaire que j'ai déjà fait, mais maintenant une version augmentée, revisée d'ailleurs. Laisse Dieu écrire les paroles, les pages de l'histoire de ta vie. Laisse Dieu écrire les pages de l'histoire de ta vie. Nous allons revenir sur ce séminaire. Je vais l'annoncer très bien prochainement. Alors, bien-aimé, cela montre que nous devons avoir une nouvelle attitude des hommes et des femmes positives qui voient maintenant les choses positives, qui ne sont plus des craintifs parce que Jésus est ressuscité, parce que Jésus est vivant, parce que Jésus est parmi nous. Il a demandé à Marie de Magdala, « Qui cherches-tu? Pourquoi pleures-tu? Et qui cherches-tu ?» Il voulait dire à Marie, « Si tu cherches le mort, va le retrouver dans le tombeau. » Mais il n'est plus là-bas. Mais si tu cherches le vivant qui avait attesté, celui pour qui les Écritures avaient annoncé qu'il sera vivant, ressuscité le troisième jour, le voici devant toi. Alors ne pleure plus. L'Église ne doit plus pleurer. L'Église doit être dans une attitude d'adoration. Parce que Jésus est vivant. Que Dieu te bénisse. Je viens prêcher à toi qui m'écoutes. En ce moment, je veux te dire que Jésus te connaît. Toi aussi, tu dois connaître le Seigneur en profondeur. Je viens te dire à toi qui m'écoutes en ce moment, je veux te dire que Jésus est dans ton cœur. Et si tu ressens quelque chose en ce moment, une paix, une présence bénie qui te touche en ce moment, réalise que c'est Jésus qui frappe déjà à la porte de ton cœur. Est-ce que tu es prête à ouvrir? Je vais prier pour toi. Amen. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ce frère ou cette sœur qui reçoit ta visitation. Tu frappes à la porte de son cœur. Tu l'annonces que tu es vivant. Et maintenant, il veut marcher avec toi. Et toi, Seigneur, tu veux écrire un livre, une histoire nouvelle avec cette personne. Voilà pourquoi tu nous interpelles aujourd'hui. Voilà pourquoi tu nous as donné le Saint-Esprit, Seigneur, pour que nous puissions marcher comme toi, tu le veux. Pour que nous ne puissions pas oublier cette puissance de vie, ce qui s'est réalisé à la croix. Merci, Jésus. Tu es vivant et tu es réel. Nous reconnaissons que tu es Dieu. Je te prie pour quelqu'un, Seigneur, qui s'approche de toi. Je te prie pour quelqu'un, Seigneur, qui te cherche et qui te trouve parce que tu es vivant. Je te prie, Seigneur, pour quelqu'un qui croit que tu es vraiment là à ses côtés. Merci, Seigneur, parce que l'Église marche dans l'assurance. Donne-nous de comprendre les faits et les temps dans lesquels nous sommes, les temps que nous traversons, et donne-nous de réaliser que tu es au contrôle de toutes choses. Viens écrire les pages de l'histoire de notre vie, Seigneur, pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je vais lever ma main maintenant pour déclarer ta bénédiction sur la vie de cette personne qui est là, qui te découvre et qui apprend à t'aimer et qui vit pour toi. Que l'Éternel, notre Dieu, te bénisse et te garde. Que de Sion, il t'envoie sa bénédiction. Et que le Seigneur remplisse ta vie de joie, qu'il comble ton cœur et qu'il te donne ce que ton cœur désire.
réalise et souviens-toi que Jésus est vivant, que l'Esprit de Dieu qui a ressuscité le Christ d'entre les morts, le vivant et le ressuscité, qui te remplisse pour la mission, pour la gloire de Dieu, et que le Seigneur bénisse ta maison, que la flamme de Christ soit allumée dans ta vie et dans ton histoire, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse. Amen.